Alors, on en revient à votre livre sur Jacques Chirac et Alain Juppé. Gouverner, ça passe par la parole, par le verbe, par des discours. L'un de ceux qui a marqué le mandat de Jacques Chirac, c'est celui du Veldiv. Vous étiez Premier ministre, un discours qui a marqué une rupture avec non seulement ses prédécesseurs, mais, et c'est vous qui l'avez dit, une rupture avec la doxa gaulliste. Oui, parce que la doxa gaulliste, c'était que c'est pas la France qui était responsable de la déportation des Juifs, c'était le régime de Vichy. Hein. Et Jacques Chirac a eu le courage de dire, mais enfin, regardons la réalité en France. Qu'est-ce qui a arrêté à Bordeaux, par exemple, mais aussi à Paris, au Veldiv, et dans beaucoup de villes de France, des enfants, des femmes, des vieillards, parce qu'ils étaient juifs et des hommes, ce sont des policiers et des miliciens français. Et donc Chirac a eu le courage de le dire, la patrie des droits de l'homme, ce jour-là, a commis l'irréparable. Et c'est quelque chose qui a été un véritable choc. Il ne s'est pas contenté de faire un discours, Jacques Chirac. Hein, parce il y a eu des actes. Après, reproche, hein. Il y a eu des actes, il y a eu en particulier la constitution de la commission sur la spoliation des biens juifs, dont la présidence a été... Simone Veil. C'était M. Matteoli qui l'a présidé, un homme de grande qualité, de grande valeur. J'avais moi-même instauré d'ailleurs une commission analogue à Bordeaux. Et puis, il y a eu aussi l'intransigeance de Chirac, je l'ai dit, vis-à-vis de ceux qui niaient la Shoah. Il y a quand même un moment donné dans l'histoire où Le Pen a expliqué que c'était un détail. Un point hein. Détail de l'histoire. Donc voilà, et là-dessus, Chirac a été jusqu'au bout et ça nous a coûté cher. Aux élections législatives de 97, après la dissolution, au deuxième tour, dans 40 circonscriptions, les candidats du Front National se sont maintenus pour faire battre nos candidats. Et à c'est cause de ça, ça en particulier, oui, parce qu'ils savaient qu'il y avait une résistance irréductible de Jacques Chirac à leurs idées, et c'est une des raisons qui explique que nous ayons perdu, pas la seule, mais une des raisons qui explique que nous ayons perdu ces élections. Donc vous voyez que Chirac, il a été jusqu'au bout de son engagement. Jusqu'au bout de son engagement. Vous aussi, vous êtes allé jusqu'au bout de votre engagement. Oui, j'étais comment... Premier ministre. Voilà. Comment vous avez vécu, vous étiez Premier ministre, le cheminement de ce discours en 1995 ? Bah, écoutez, avec grand bonheur, parce qu'il a marqué en France, mais il a marqué dans le monde de façon générale, et je crois que ça a été un des actes fondateurs de Jacques Chirac.